Un blog peut aider votre entreprise à augmenter le trafic vers votre site web et à créer une liste d'emails pertinente pour votre activité. En quelques mots, votre blog vous aidera à attirer de nouveaux clients et vous fera gagner de l'argent. Toutefois, vous ne pourrez monétiser un blog qu'en ayant un trafic de visiteurs constant et croissant, car plus il y a de personnes qui visitent votre blog, plus vous pouvez gagner de l'argent. En moyenne, vous aurez besoin d'environ 100 000 pages vues par mois pour tirer un bon revenu des publicités et du marketing d'affiliation. Comme toute activité, vous commencerez à gagner de l'argent une fois que vous aurez consacré du temps et des efforts constants dans votre blog. Dans cette vidéo, vous découvrirez 5 façons de gagner de l'argent à partir d'un blog. Bonjour, je m'appelle Gaëlle, introvertie, je suis entrepreneur depuis 8 ans et ma mission est de vous donner des conseils pour créer et gérer votre business en ligne en tant qu'entrepreneur introverti. Rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn et Clubhouse. Première façon, la publicité. La diffusion de publicité sur votre site web est un moyen simple de monétiser votre blog et de gagner un revenu passif. Plus vous avez de trafic, plus les annonceurs sont susceptibles de vouloir travailler avec vous. Même si vous débutez, vous pouvez commencer à diffuser de la publicité. Inscrivez-vous au programme AdSense de Google qui placera des ads, des publicités sur votre site. L'adhésion est gratuite et Google fait tout le travail, vous n'encaissez que le paiement. Vous pouvez également vous inscrire au programme Amazon Partenaire et diffuser des annonces. Les publicités que vous choisirez présenteront des produits que vous utilisez et que vous recommandez. D'autres entreprises comme Ezoic ou Mediavin travaille spécifiquement avec les blogueurs pour les aider à diffuser des publicités. Faites une recherche sur le web et choisissez la société qui vous convient le mieux. Le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation est le moyen le plus populaire de monétiser un blog. Lorsque vous êtes affilié à une marque, vous publiez et partagez les produits de cette marque sur votre blog. Quand quelqu'un achète un produit grâce à votre blog, vous touchez une commission sur la base du programme d'affiliation. Tout dépend des programmes auxquels vous êtes inscrit et du trafic sur votre blog. Troisième méthode, les partenariats et les articles sponsorisés. De nombreux blogueurs commencent à gagner de l'argent lorsqu'ils font des collaborations avec des marques. Une fois que votre blog est bien lancé et que vous commencez à avoir un bon trafic, contactez vos marques préférées pour des publications sponsorisées sur votre blog ou sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez créer votre blog, je vous conseille Xero. Avec Xero, vous pouvez créer votre blog en quelques étapes seulement, sans aucune compétence en matière de codage ou de conception. Xero est l'un des créateurs de sites web les plus simples. Choisissez parmi 100 modèles de sites web. Créez votre site web à partir de Xero ou utilisez le générateur de site web avec l'intelligence artificielle. Et enfin, personnalisez toutes les fonctionnalités de votre blog. Toutes les formules de site web Xero ont une garantie de remboursement de 30 jours. Si vous changez d'avis, vous pouvez annuler votre abonnement et récupérer votre argent. Je suis partenaire de Xero et pour une durée limitée seulement, nous vous offrons jusqu'à 71% de réduction, plus un domaine personnalisé, plus 3 mois gratuits avec n'importe quel plan annuel. Utilisez mon code pour avoir cette réduction. Le lien et le code sont en barre d'informations sous la vidéo. Quatrième manière de monétiser son blog, la vente de cours en ligne. Une fois que vous aurez beaucoup de trafic sur votre blog, pensez à une thématique pour laquelle vous avez une expertise et que vous pouvez enseigner à votre public. Qu'est-ce qui vous passionne et que vous connaissez bien? De nombreux blogueurs créent et vendent des cours en ligne pour gagner de l'argent et renforcer leur crédibilité. Cinquième méthode, l'organisation d'ateliers. Les ateliers physiques vous permettent de vous connecter avec votre public et de développer votre blog. En identifiant les besoins de votre public et en organisant un atelier, vous pouvez facturer des frais par personne pour partager vos connaissances avec votre audience. Vous pouvez réserver un bel emplacement ou héberger un atelier sur Zoom, puis utiliser un site comme Eventbrite pour vendre des billets et promouvoir votre événement. Ensuite, faites de la publicité sur Facebook, Instagram ou LinkedIn pour faire passer le mot. Prévoyez l'organisation de cet événement dans les moindres détails.
Il est temps de commencer à monétiser votre blog. Le succès de votre blog et de votre entreprise vont de pair. Vous pouvez gagner de l'argent grâce à votre blog, en diffusant des publicités, en collaborant avec des marques, en créant des ateliers pédagogiques et des cours en ligne, et même en faisant de la promotion pour des produits ou des services numériques. Dites-moi en commentaire si vous avez un blog et comment vous le monétisez. Moi, je le monétise avec toutes les méthodes citées dans cette vidéo, sauf les ateliers. Je n'ai jamais eu l'occasion de monétiser mon blog en organisant des ateliers. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.